Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être mes main et espérances pour la compétition de M ce 16 juin. Donc c'est le M Marie Cubic Open. Donc je ne participe qu'à 4 events à cette compétition. Donc le premier c'est le 2x2. Donc déjà je vais utiliser mon Valk 2, donc c'est un 2x2 magnétique stickerless. Donc au 2x2 j'ai appris les CLL mais je les maîtrise pas encore bien du tout. Du coup je tourne à peu près à 6 AVG. Donc voilà, j'aimerais bien faire un truc dans les 6 AVG. Et j'ai pas trop d'espérance pour le reste. Au 3x3, donc j'utiliserai mon GAN X. Donc magnétique aussi évidemment. Donc là j'aimerais bien faire mon premier AVG sub 15 officiel, ce serait super. Ça fait plusieurs compétitions que je voudrais avoir ça et j'ai toujours pas réussi, donc là j'espère que ce sera cette compétition là. Et sinon en single j'aimerais bien un sub 14 et surtout, enfin après passer au deuxième tour, mais ça normalement je pense que c'est bon. Ensuite au 4x4, donc j'utiliserai mon Moyu Aosu GTS2 magnétique. Pour le 4x4 j'aimerais bien faire un AVG sub 1 minute. J'aimerais vraiment, je ne l'ai jamais fait, j'ai déjà fait un AVG à 1 minute pile mais pas sub 1. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais faire. En single peut-être un sub 55 si j'ai de la chance. Et après j'aimerais aussi passer au deuxième tour si c'est possible. Et pour finir le Scube, donc j'utiliserai mon Moyu Aoyan Scube. Donc magnétique et stickerless comme tous les autres. Avec les caps creux. Donc pour le skew, j'aimerais bien faire un AVG sub 8 parce que je suis sub 8 maintenant. Donc j'aimerais vraiment faire un bon AVG sub 8 comme je fais chez moi. Et aussi en single, pourquoi pas un sub 6, ce serait vraiment super, ou au moins un sub 7. Voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous allez à cette compétition. Et si vous y allez, quelles sont vos espérances. Et sinon, je vous tiendrai au courant de ce que je fais là-bas avec des vidéos comme d'habitude. Allez, salut tout le monde.